Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très bien et bien plus que très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle aventure horrifique et je pense que vous étiez nombreux à l'avoir attendu. Je parle évidemment de Resident Evil 3 et pour la petite anecdote, c'est le seul Resident Evil que je n'ai jamais terminé, ni même commencé finalement. J'ai toujours joué des petits passages de Resident Evil 3 quand j'allais chez un cousin, j'étais vraiment gamin, mais je ne l'ai jamais fait, donc ça va être de la totale découverte, et ça c'est incroyable. N'oubliez pas d'ores et déjà le j'aime et le commentaire, propulsez-moi cette vidéo en top tendance, n'oubliez pas de mettre en 2K si vous le pouvez voir. Petite nouveauté 4K, c'est Bibi qui régale évidemment. Plongez-vous dans le noir, mettez un casque ou des écouteurs, éteignez la lumière et surtout, le plus important, kiffez le plus possible. C'est parti, épisode 1 de Resident Evil 3, let's go. Ah, bon bah campagne, bonus, option, équité. On va faire le classico, continuer, je ne peux pas parce que de toute évidence, je n'ai jamais commencé le jeu. On est parti en mode normal. Ah, j'ai vraiment hâte de découvrir ce Resident Evil 3. Vous savez à quel point je suis fan de cette série. C'est parti, je me tue. Cette épidémie se propage à une vitesse encore jamais vue dans notre histoire. Les bâtiments sont en feu. Les autorités se préparent pour plus d'émeutes ce soir. On assiste à des incendies, des affrontements. On a retrouvé un chien, complètement défiguré. L'état d'urgence a été déclaré dans toute la ville. Le CDC place en quarantaine une partie du Midwest des États-Unis. Engagement, honnêteté et intégrité. Telles sont les valeurs essentielles qui constituent le ciment d'Umbrella Corporation. Et ce sont ces valeurs qui contribuent à construire un avenir meilleur pour chacun d'entre vous. Code Nemesis. Alors évidemment, même si je n'ai pas fait Resident Evil 3, je connais la trame principale. On va être poursuivi par le Nemesis tout le long du jeu, mais je vais tomber dans tous les trails parce que je ne sais pas à quel moment il va apparaître. Et en plus de cela, c'est un remake. Évidemment, encore une fois, désolé de le préciser, mais c'est pas le voisin qui va lâcher son plus beau like et son plus beau commentaire. Donc je compte sur vous pour me propulser cette vidéo en top tendance et cette série en termes général. Vous allez tout déchirer comme d'habitude. Regardez-moi comme le jeu est beau et fluide. Nous sommes sur PC, donc encore une meilleure qualité que sur PS4. Et ouais, on innove, on grandit. Mettez en 4K, hein. Mettez en 4K, on va se régaler. On incarne Jill Valentine. Hop, et on ferme immédiatement cette petite fenêtre. Voilà, c'est Bibi qui décide. Non mais il pleut, il y a carrément une tempête. Qu'est-ce que tu dors avec une fenêtre ouverte quand il y a une tempête comme ça? Auquel on n'a rien. Donc vue FPS pour commencer, très bien. Oh, des petites tenues très sympas. Ça c'est du cache-cache. Ok. Ouvrir. Oh 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 oh. Ça je prends ça. Je peux pas. Très bien. Thank you.
cauchemar en pire. Ok. Je vous cache pas avoir un petit peu peur. Pourquoi? Parce que dans Resident Evil, on était deux. Dans Resident Evil 2. Et là, on va être toute seule. Et rien que... C'est mental. Rien que se dire que... Il y a ni Claire Redfield, ni Leon. Ça met pas très très bien. Alors, on a quelque chose à gauche. Bougez pas, c'est juste ici. C'est une lumière. Rapport de Gilles, on va tout lire. Évidemment, 26 septembre 1998. Deux mois se sont écoulés depuis cette affaire avec Umbrella. Comme on m'a suspendu, l'enquête n'a pas vraiment progressé comme je l'aurais souhaité. Peut-être que l'écriture de ce conte rendu s'avérera être ma dernière tâche au sein du STARS. J'espère seulement que cela contribuera à découvrir la vérité. Le virus T. Ceux qui sont contaminés par ce virus deviennent littéralement des zombies. Il y a plusieurs modes de transmission. Morsure par un individu infecté, causant le mélange de liquides biologiques, contact avec des corbeaux ayant mangé de la chair contaminée, et étant donné la virulence du virus, l'hypothèse d'une contamination par voie aérienne ne peut être écartée. Ça me rappelle un petit peu quelque chose. Corona, nous voici. Étrangement, ceux qui ont survécu à l'incident ne présentent pour le moment aucun symptôme. Nous ignorons si cela est dû à une période d'incubation longue du virus ou si nous sommes immunisés face à l'infection. Nous devons en tout cas rester vigilants, même une fois cette enquête terminée. En ce qui me concerne, à part quelques troubles du sommeil, je me porte plutôt bien. Mais j'aurais tort de crier victoire. Il n'est pas impossible que je sois dans la période d'incubation. Très bien, ça c'est lui. Qu'est-ce qu'on a là? Note d'enquête. Umbrella, leader de l'industrie pharmaceutique, se concentre sur le développement d'armes militaires derrière cette façade de société pharmaceutique et développe aussi secrètement des armes biologiques. Fuite du virus T au laboratoire Arclay, à l'origine de l'incident du manoir. Resident Evil 1, si vous suivez jusqu'ici. Lien étroit avec les dirigeants de Raccoon City. A fait des dons importants au bureau du maire Warren et contrôle activement la ville. Donc, évidemment, Umbrella, voilà, vous avez compris depuis déjà Resident Evil 1 et 2 qu'ils ne sont pas innocents dans cette histoire. Je suis enfermé chez moi. Des types de l'autre côté de la rue épient mes moindres faits et gestes depuis leur fenêtre 24 heures sur 24. Ce sont des hommes d'Iron ou bien d'Umbrella? Je n'en sais rien et de toute façon, c'est du pareil au même. Je sais ce qu'ils essayent de faire. Ils veulent m'avoir à l'usure, me torturer psychologiquement. Et ça marche! Je n'ai plus d'appétit. Je dors mal. Je deviens folle. J'ai l'impression d'être une mort vivante. Mais je ne les laisserai pas gagner. Je dois sortir de la ville et trouver un moyen de leur faire payer. Ils vont envoyer quelqu'un pour me faire taire, c'est sûr. Alors, si tu apprends qu'il m'est arrivé quelque chose, je veux que tu reprennes l'enquête où je l'ai laissée. J'ai joint mes notes, tu y trouveras toutes les informations dont tu auras besoin tant que ce courrier n'est pas intercepté. Je déménagerai de nuit dans 5 jours. Souhaite-moi bonne chance. Très bien. Alors, sachez un truc, ça a d'ores et déjà été annoncé. Dans ce Resident Evil, il n'y a plus de zone safe. C'est-à-dire que là où il y avait l'imprimante avant, la machine à écrire... On était forcément dans une zone safe, les zombies ne pouvaient pas rentrer. Là, c'est terminé. Plus de zone safe, c'est fini. Maintenant, ça va swinguer, peu importe dans quelle pièce on rentre. Qu'est-ce qu'on a là? Message d'un collègue. Agile Valentine. Hey, championne, comment tu te sens? J'arrive toujours pas à croire qu'il... quoi? Kyron, t'es suspendu. Quelle connerie. Tu mérites une médaille pour avoir survécu à cet enfer en juillet dernier. Et c'est normal que tu veuilles en savoir plus sur tout ça. J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir fait profil bas, tout est arrivé si vite. Quand le chef a pris la décision de dissoudre le STARS, la fierté de la police, j'ai vraiment cru que j'allais perdre mon job. Il paraît que tu prévois de quitter Raccoon City? Je savais que tu ne resterais pas les bras croisés. Promets-moi juste de faire attention à toi. Umbrella va sûrement tout faire pour t'empêcher de ruiner son business. Sois prudent, Jill. Brad Vickers. PS, il a fallu que je passe ce message au livreur de pizza pour éviter de me faire griller. On t'a pris une maxi avec supplément de salami, c'est de la part de tous tes collègues. Alors, si jamais pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance, Jill Valentine, elle a été envoyée avec Chris Redfield
donc le frère de Claire Redfield, dans le manoir, là où tout a commencé. J'étais donc dans le manoir, et je sais qu'Umbrella n'est pas innocente dans l'histoire. Et donc là, Umbrella va essayer de me faire taire. Et moi, j'aimerais quitter littéralement cet enfer. Par contre, je ne peux pas courir. Ah. Ouais, non, mais faites pas des salles de bain comme ça, les gars. Ça va se rouler, hein. Ok, j'entends des bruits chelous. Septembre, 20h07, Raccoon City, et cette fois-ci, on a la vue en troisième personne. Attends, bien. Avant de décrocher, mon pote, je peux te dire que je vais la boire, ma brique de lait. Hop, finalement, j'ai plus envie de lait. Oh, ils m'ont pas laissé le choix, ils m'ont pas offert le choix. Désolé, encore une fois, pour la qualité du micro, je suis en direct du Japon, et donc, forcément, bah, pour emmener le même setup, c'est difficile. Allô ? Allô ? Jill, est-ce que ça va ? Brad, c'est toi ? Écoute, sors vite de chez toi ! Qu'est-ce que tu racontes ? Pas le temps de t'expliquer ! Va-t'en de chez toi ! Tout de suite ! Ok, je me prépare et je... Ah ah. Ah ouais, dès le début ! J'ai même pas fait la démo, putain! C'est quoi ça? Ça va swinguer ou pas? Je pense que ça va swinguer. Ok. Ok, ok, ça swing dès le début, donc le Némésis est d'ores et déjà là. Là, on fouille, hein. On prend notre temps. Hein. Ici, on apprécie. Bonjour! Très bien, on est déjà dans la ville. Oh non ! Restez accroché, monsieur, je n'arrive pas. Hop, on y va. Hein. On se casse. Y a pas des munitions, quelque chose ? Allez, régalez-moi. Wow ! Ok, j'avoue, j'ai stressé. Ok, tout est en feu, très bien. Je ne peux toujours pas... Aïe ! Putain, sérieux ? Je peux toujours pas utiliser mon arme. Je me fais surprendre par des vieux trucs de merde. C'est terrible, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu d'horreur en même temps. Ah ! Putain, non, c'est pas vrai ! Monsieur, vous êtes un forceur, va falloir me laisser tranquille maintenant, hein ? Ok, il est resté Keblo. Ok. Le jeu est beau. Le jeu est beau. Succès déverrouillé. Bon. Très bien. Quittez la ville. Ok, bah ça je veux bien, je demande que ça. Oh mon bro, ça va ou quoi? Une petite liqueur avant? Ça va? C'était quoi ça? J'en ai aucune idée. Mais il a une dent contre les deux membres du Stars encore en ville. Toi et moi. Je vais pas moisir. T'as vu ce bordel? Si on reste là, je donne pas cher de notre peau. Ok, on va le suivre.
J'en sais rien. Oh, le jeu est beau, hein. Ce que je sais, c'est que les emmerdes n'arrivent jamais seuls. Le jeu, pour le coup, est vraiment beau. L'Empire. Très bien. Direction le cinéma, peut-être, ça serait énorme. Ok, il faut juste au-dessus. Eh bien, je cours là. Je pars, c'est ça. C'est pour que personne soit infecté. Brad, attention. Suis-moi. Ouais, it's ok. J'ai cru que comme dans les vieux films, il allait se faire bouffer au calme. Très bien, très bien, très bien, très bien. Bon, je vous connais, on s'est déjà vu il y a un an. Allez, salut mon pote. Vas-y mon Brad, hein. La porte de derrière, vite! Mais non! Mais Brad, putain, t'es con! Saute, Jose! On va s'en sortir tous les deux! Allez, Jill, je sais comment ça va finir! Non, tais-toi! On est toujours une équipe! Évidemment! Alors promets-moi de ne pas te faire avoir comme moi! Va-t'en! Hop, déjà un mort, hein, ça dégage. Hein. Pardonne-moi, pardonne-moi, il est pardonné. Oh, oh, ok, tu commences à me plaire. Non mais faut arrêter de t'excuser pour tout et rien, Gilles. C'est sérieux maintenant. Ok, Brad est mort. C'est confirmé. Ok, voilà, ça dégage. Va falloir que je me réhabitue à utiliser... des joysticks, une manette. J'avoue que ça fait longtemps. On va passer en dessous. J'ai pas eu peur là. Notez quand même l'amélioration. Oh, quel plaisir de retourner sur Resident Evil. Oh mon dieu. Ok. Ah, il est intelligent celui-là. Il est totalement passé par la fenêtre. Là-bas. Rendez-vous sur le toit du parking. Ok. Parking. Ok. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Là, je vais monsieur, pas beaucoup parler. Est-ce que ça va? N'approchez pas. Laissez-moi tranquille. Allez, vous avez entendu? L'hélicoptère va vous conduire en lieu sûr. Quel lieu sûr? Pas question que je sorte d'ici. Non. Le parking n'est pas, pas loin. Pas ça. Je peux vous y emmener. Le seul lieu sûr, c'est là-dedans. C'est pas ça, Bobby. Oh, il a peut-être raison, en vrai. Monsieur, hein. Quel est votre nom? Je peux pas vous laisser ici. Dario Rosso. Ah ouais, je vois. Vous voulez voler ma planque, ça? Débrouillez-vous, ma belle. Ma belle? Est-ce que vous pouvez vous calmer? Je suis officier de police. Je suis là pour vous aider. Ah bah ouais! Parlons-en du travail de la police. Vous voulez aider? Alors allez vous menotter à un de ces monstres! Monsieur, c'est votre dernière chance. Personne d'autre ne viendra vous aider. J'irai nulle part! On lui a laissé toutes ses chances. Encore crever de faim ici, plutôt que d'être bouffé par ces morts vivants. Alors foutez-moi la paix. Eh ben tu vas crever de faim, c'est pas grave. Hop, on n'insiste plus. Allez, j'ai tout donné pour lui, hein, vous avez vu, hein. Alors, je sais aussi une chose, c'est que ce Resident Evil pour le coup, donc Resident Evil 3, que ce soit l'original ou le remake à mon avis, est quand même un petit peu plus basé action que énigme et survival à l'ancienne. Oh, Sugoi, attendez, c'est toujours le même menu, incroyable ça. Très très bien. Ok, c'est les mêmes touches. Oh là là, quel plaisir. Quel plaisir. Allez sur le toit du parking. Vraiment, ça pourrait être bon. Et pas les chiens dès le début, abusez pas. Chaque chose à la fois, s'il vous plaît. J'aimerais réapprendre à survivre en milieu hostile. Je rappelle que le corona... Ah, putain, bien avancé. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'arrête de parler aussi pendant ces moves là parce que je vais en prendre plein la gueule. Bonjour monsieur, vous allez bien? Excusez-moi, ça sera un ticket. Je sais plus où je suis garé. Bonjour madame. Très bien, là on peut pas passer. Ah! Faut que j'arrête, hein! C'est terrible! Faut savoir que je suis très concentré sur l'écran. Non! Monsieur! Quoi? Ça c'est pas juste. Ok, ça c'est vraiment pas juste. Lui il rampe, hein. Il va pas me casser les couilles.
Non, 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 je suis désolé, c'est tellement injuste là ce que j'ai pris. C'est bon, c'est pas ça. J'aille là-haut, de toute évidence. Hop, fin du jeu. C'est bon les gars, on a gagné, GG. C'est beaucoup trop beau. Frère, il arrive comme le Terminator, c'est quoi ce délire? Ok. Allez, hein! Tu vas voir ta gueule, enfoiré! C'est ça qu'on veut, Gilles! Ah oui, il a pas bougé. Ah ouais, il a pas bougé. Je continue d'accélérer! Carlos, je viens te sauver. Allez, on va se mettre à l'abri. On est en sécurité. J'espère. C'est là qu'on groupe les survivants. Où ça, là? Les gars ont converti des rames de métro en abri. Ça craint rien. C'est bon. Besoin d'espace, hein. C'est bon, j'ai compris. Allez. Ok, suivre Carlos. Pas mal ça, son même petit abri. Ça. Désolé, on va devoir faire le tour. Hé, qu'est-ce que tu sais sur ce monstre? Rien. J'ai jamais rien vu de semblable. Mais c'est pas un zombie. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. T'aimes pas ce genre de mec? Non, merci. Je te laisse. Ah. Écoute, avec moi tout va bien se passer. Je suis de l'UBCS, le groupe de lutte contre les menaces biologiques de Umbrella. Tu te fous de moi? C'est une blague, c'est ça? C'est vous qui avez causé tout ça? Du calme, qu'est-ce que tu racontes? Écoute, t'es pas obligé de me croire, mais moi je vais à l'abri. Allez, c'est par là. Ok. Bon, le Carlos, il a l'air sympa pour l'instant, mais il a l'air terriblement dans l'ignorance la plus totale, hein, on va pas se mentir. Il est au courant de rien, le gars. Hein. Capitaine. Hein? Cette charmante demoiselle a besoin de nous. Carlos, t'as même pas demandé son nom à cette charmante demoiselle. Il s'agit d'un agent d'élite des forces spéciales de la police de Raccoon, le STARS. Son nom, c'est quelque chose comme Valentine. C'est Jill. Ravi de te rencontrer, Jill. Je suis Miral Victor, chef de peloton de l'UBCS.
Mon équipe a été envoyée ici pour secourir les civils. Je vois. Et comment ça se passe? La ville est complètement coupée du monde. Isolée. La grande majorité des 100 000 citoyens de la ville vont mourir. Enfin, façon de parler. Mon peloton a essuyé de sérieuses pertes. Garantir leur survie est au-dessus de mes moyens, désormais. Bon ben, vous pouvez remercier votre employeur pour ça. Ouais. Eh bien, on fait tout ce qu'on peut ici. Si on réussissait à faire démarrer ce train, on pourrait évacuer quelques survivants. Mais on a besoin d'aide. Mes hommes n'y arriveront pas tout seuls. Très bien. J'en suis. Mais je fais ça pour eux, pas pour vous. Hé, hey, oh! On veut tous la même chose. Merci, Jim. Bon, super flic. Prends ça. Ça me servira à rester en contact. Je sais ce que c'est, un Toki. Bon, pas perdre de temps. Ok! Bah, remonter à la surface, très bien. Je peux pas save. Tu trouveras du matériel. Ok. Très bien. Alors c'est super sympa, mais ouais, comment on save en fait? Oh, Sugoi, qu'est-ce qu'on a? Fabriquer des munitions. Si vous voulez, si vous vous retrouvez à court de munitions sur le terrain, votre flingue sera aussi utile qu'un slip dans un camp naturiste. Alors si vous ne voulez pas y rester, vous avez intérêt à vous mettre ces formules de base dans le crâne. Munitions pour pistolet de poudre noire, cartouches de fusil à pompe poudre noire plus poudre supérieure, et munitions pour mag poudre supérieure 2. Une fois vos petits mélanges effectués, la fête peut commencer. Faites en sorte que ces saletés de mort-vivant ne se relèvent plus. Attention à ne pas finir en dessert. On adore l'humour par ici. Merde, ça fait capitaine. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ouais mais attends. Là, oh pardon, excusez-moi. J'ai bien compris le système de sortie. Ah, voilà, utilisez la carte. Très bien. Porte verrouillée, donc de toute évidence, je pense que la sortie était littéralement de l'autre côté. Il n'y a pas une machine à save, il n'y a rien pour save en fait là. Excusez-moi monsieur, est-ce que je peux save quelque part, non? Non, vous savez pas, vous n'êtes pas au courant. On l'ajouterait RP ici, hein. Je suis déjà sorti par là. Très bien. Bon, on sort, écoutez, on peut pas save, pourquoi pas. On verra plus tard. Tentons quelque chose. J'ai une balle, hein. Ça, c'est pas cool. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Page d'un tabloïd. Cas de cannibalisme, toute la vérité. Le 25 septembre à l'aube, le commissariat de Raccoon City a reçu l'appel d'un citoyen terrorisé, témoin d'une agression perpétrée par un individu décrit comme un clochard déséquilibré sur une passante au nord du musée d'art de Lambs. En inspectant les lieux, la police a découvert, dans une benne à ordures, le corps mutilé et démembré d'une femme. Les restes retrouvés comportaient de nombreuses traces de morsures, indiquant que la victime avait été dévorée. Cette affaire porte au nombre de 3 les cas de cannibalisme à Raccoon City ce mois-ci. Qui a bien pu commettre ces atrocités? Ici, à la rédaction News Cornet, nous pensons que ces patients, pris en charge gratuitement depuis le mois d'août, à l'hôpital Memorial Spencer pour une maladie étrange, n'apprécient peut-être pas la nourriture servie à la cantine. Nos reporters ont infiltré l'hôpital pour tenter de découvrir la vérité et ils sont revenus avec des détails à faire pâlir d'effroi les moins sensibles d'entre vous. Tournez la page pour tout savoir sur le scoop de l'année. C'est un reportage proposé par Jean-Michel Desbarres. Ok, on n'a rien, on va pouvoir déjà se barrer. Jill, c'est Carlos. Ouais. Il est sorti de la station? Presque. C'est quoi le plan alors? Le vieux m'a chargé de déblayer les voies. Est-ce que tu veux bien remettre le système du métro en route? Et comment je fais ça? D'abord, il faut rétablir le courant. Je te guiderai vers la sous-station une fois que tu seras dans la rue principale. Compris, je me dépêche. Les frères, je veux juste save en fait. Est-ce que c'est possible? Hop, une plante verte, ça je prends ça. Hein. Ça, je rappelle que la drogue c'est mal, mais par ces temps c'est compliqué, d'accord? De la poudre! La double poudre! Combiner des objets, attends,
me prends pas pour un con, mon petit pote, hein. Ça, je connais. Voilà. La bonne poudre. Ça, ça fait plaisir. Non. On va clairement pas utiliser. Bougez pas. Très bien. Hop, voilà. Oh, faut taper deux fois maintenant. Ça va se mouiller, hein. Très bien, une poudre rouge, ça ne m'arrange pas. On a... Oh, on va peut-être pouvoir save ici, non? Attendez. Qu'est-ce qu'on a là? Ah non, il faut une clé. Très bien. En tout cas, c'est une belle boîte. Très belle boîte. On a un dossier. Oh oui, on a une machine à écrire. On a une très belle horloge. Oh là là, on va pouvoir avoir l'heure en direct. C'est incroyable. On va pouvoir s'arrêter là? Tout sur les plantes, ça on connaît déjà, mixture très efficace de plantes vertes et mixture à l'efficacité maximale, plantes vertes et plantes rouges, ou 3 plantes vertes, spray de premier secours, ça fait tout, il n'y a pas de souci là-dessus. On est parti, on va save, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, propulsez-moi cette vidéo incroyable en top tendance. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour la suite de... notre aventure. Bisous tout le monde, portez-vous bien et restez chez vous. Ciao, ciao.